Entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, la rupture est consommée. Et la volonté de l'ancien chef du Parlement ivoirien de conquérir le pouvoir en 2020 n'est pas de nature à réconcilier les deux hommes. À faire troisième mandat de Ouattara, Guillaume Soro met fin à la polémique, ce qu'il dit de ses adversaires à la présidentielle. Guillaume Soro est décidé. Sa candidature à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020 ne fait plus l'ombre d'un doute. L'ancien chef du Parlement, qui ne doute pas de sa victoire au soir du scrutin, est déterminé à faire face à tout ce qui pourrait obstruer son chemin. Mercredi 23 octobre 2019, lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Paris, l'ancien patron de la rébellion des Forces Nouvelles s'est même aussi prononcé sur la question d'un troisième mandat de son ancien mentor, Alassane Ouattara. Pour Guillaume Soro, cette question ne mérite plus d'être posée car Alassane Ouattara, c'est le passé, et il compte le lui rappeler au moment opportun. Alassane Ouattara n'est plus candidat. C'est le passé et on va le lui rappeler le moment opportun. Même Yahya Jammeh, le fantasque dictateur gambien, est parti, a-t-il renchéri. Alassane Ouattara, hors circuit, Soro dit ne craindre aucun autre candidat capable de lui tenir la dragée au temps 2020. Ni le probable candidat du RHDP, Amadougon Koulibaly, ni même l'octogénaire Henri Conan Bédié du PDC-RDA, à qui il est souvent prêté des ambitions. Ouattara parti, il reste qui pour me battre ? S'interroge Guillaume Soro.